Aujourd'hui est un grand jour. C'est l'arrivée de Mandoline, ma nouvelle roulotte. Je vous explique. Ma vie se résume en deux mots. Oui et oser. Oui à la vie et oser vivre ses rêves. Bienvenue Mandoline. De 7 à 77 ans, il n'y a pas d'âge pour vibrer et tracer sa route de la joie. Aujourd'hui, Mandoline a trouvé refuge chez des amis, le temps d'arriver sur sa terre promise. Sa terre promise, c'est un lieu que j'aimerais proposer à tous ceux qui veulent vivre libre et souverain, reliés par le cœur, sans passe sanitaire, sans qu'aucun contrôle extérieur ne dicte leur destinée. Nous venons sur Terre non pas pour être asservis ou se servir indécemment des ressources de la planète, mais pour nous couronner les uns les autres, dans le respect des lois de la nature et de chaque être humain. Camille Dantiguère, l'ancienne propriétaire de ma roulotte, est une acrobate, voltigeuse, artiste de cirque et metteuse en scène qui a sillonné les routes d'Europe avec sa roulotte. Mandoline lui a fait toucher les étoiles et elle m'a remis ses clés aujourd'hui pour que je vive un nouvel envol à mon tour. Et mon envol serait d'une part de vous accueillir dès que possible sur un terrain en Suisse, vibrant de joie, accessible à tous. Et d'autre part, vous offrir très bientôt une plateforme de rencontre et de mise en réseau, de même qu'une boîte à outils, pour créer chez vous ou dans un lieu privé prêté des rendez-vous éphémères, des rencontres nomades pour ceux qui auraient besoin d'être accueillis dans un espace de bienveillance. Camille, je te remercie d'avoir livré de porte à porte cette merveilleuse roulotte qui a été ta maison pendant 7 ans. On l'a mis ici sur un terrain en attendant qu'elle trouve son lieu d'accueil définitif. En la voyant partir, ça me fait une petite émotion quand même. J'ai vécu plein de trucs avec elle et du coup, c'est sûr que c'est une étape de ma vie qui se termine, mais pour en ouvrir une autre. Et puis comme je disais avant, je crois que ça me fait plaisir qu'elle aille pour le rêve de quelqu'un d'autre et qu'elle continue à faire rêver quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il est l'heure pour Camille de dire au revoir à sa roulotte. Sur cette belle place où Mandoline est accueillie temporairement, germe encore un peu, en silence et avec patience, la graine du mystère et du monde de demain.